Bonjour à tous, c'est le Gratteur Fou. Bon, ben là, il y a quand même eu des hauts débats sur les précédentes parties. J'avais réussi à avoir un chiffre 3 en début de balance, mais bon, par la suite, c'est un petit peu rogné le bénéf. Donc, espérons que ce soit pas un jeu en bois, que le 5 Mariachi regonfle un petit peu tout ça. Alors, ça, c'est un jeu que j'ai testé précédemment pas mal de fois, qui avait été assez payant sur certaines parties. Alors, on va voir. C'est vrai qu'un chiffre 3 en début de balance, on a basculé sur un chiffre 16. Jolie réduction. Alors mise à 125. Voilà, ça va être au bonheur la chance, espérons ne pas tout se faire torcher. Ouais, bien sûr, les machines à sous, c'est jamais évident de tomber que sur des jeux qui sont payants. Des fois, il y en a qui payent, et par la suite, ça bouffe le bénéf du précédent jeu, et vice versa. C'est vrai que sur ce jeu-là, les scatters pour les free spins. Alors, scatter, payout. 15 free games si on a 3 symboles comme celui-là. Hop, pendant les free games. Allez, go. Alors, on va prendre celle-là. Donc, il y a de la pépette dedans. Ok, 437,50. Alors, un petit coup d'œil ici, 15 423. Allez, le troisième, et voilà. Ça, c'est ce que j'attendais, c'est cool. Bon, c'est pas en mise maxi, mais c'est à 87,50. Donc espérons que ça puisse envoyer du lourd. Alors, premier win sympathique. Allez, 14 free games de restante. Alors la demoiselle, c'est pouvoir apparaître en plusieurs exemplaires, ce qui change un joli symbole. Ça, on va voir sur les spins restants. Alors, est-ce qu'il va me pondre un gros win de l'espace sur les parties, les free spins restants? Alors, 110 ici. Alors voyons voir, espérons que ce soit un bon symbole. On va pas trop mal. Alors il va suivre les spins. Alors, un gros win à 10-15 000 balles, le gros win qui arrive très très rarement. Il pouvait se présenter ici sur les free spins restants. Ah, big win, espérons qu'il va être bien big. Allez, chiffre 2, chiffre 3, 3185, donc on en est à 4987 de win, pratiquement 5 000 balles. Bon, on peut dire quand même que c'est un bon début. De toute façon, je pense que si la balance elle regonfle un peu, il va falloir encaisser une partie. Éventuellement, peut-être laisser 4 ou 5 000 balles, mais ce serait peut-être mieux d'encaisser. Allez, deux free spins de restant. Un petit retrigger, ça serait l'embellie. Pas de retrigger malheureusement, 5390 de gagné. Ok, bah c'est pas trop mal, 2813, j'avais commencé à 16 500 et quelques, donc pas trop mal, un peu plus de 5000 balles de bénéf. Allez, je vais quand même faire une tentative sur un autre jeu, mais bon, on va voir, ce sera pile ou face.
Soit ça rack, soit ça bouffe. Allez, go, direction la machine à sous Halloween. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas testé. Alors, on va chauffer un peu la machine. Pas en mise maxi, elle avec des mises à 50. Alors, chiffre 3 ou chiffre 1 en fin de partie, on va voir ça. Un big win, 937. On peut dire que c'est un bon début. Bon, mais toujours pareil, espérons que les free spins et free games se présentent assez rapidement. C'est clair que sur ce jeu, ça peut être intéressant. On a les symboles statiques et en respin. Chaque respin, ça paye avec les symboles statiques précédents. Donc, suivant ce qui est sorti sur ce jeu, ça peut être éventuellement sympa niveau win. Mais bon, pour tout ça, encore faut-il déjà gagner les free spins. Alors, est-ce que ce serait le moment d'augmenter les mises? Elles sont déjà assez élevées. Je vais encore tenter de chauffer un petit peu la machine. Alors, chiffre 21 qui se transforme en chiffre 20. Allez, spin à 100 pile poil. Bon, ben, j'espère que ça va faire comme le précédent jeu, le 5 Mariachi, que ça balance les free spins assez rapidement, mais ça, bien sûr, il n'y a aucune garantie. Passe pas quand même sur la dernière session sur ce casino. J'avais mis au 1350, j'avais atteint 20-30 000. Hop, ça s'était terminé à zéro. On va tenter de pas faire la même. Alors, 19 474. Alors, ce sera un mauvais présage, on a fait 20, 19, 18. On a 18, 17. Bon, espérons que on puisse renverser la tendance. Alors 1230, on réduit un petit peu les mises pour un petit moment. Thank you.
Alors les free games et les free games. Alors, on attend, mais on peut éventuellement attendre encore longtemps. Alors notre big win. Ah, 2100, c'est pas trop mal. On remonte à 19311. Ah, 2430, c'est pas mal. 21541. Bon, bah, quelques big wins de gagner, mais avec des spins à 70 ou 100, ça peut vite, vite repartir. Tentative avec des mises à 100. Alors, hop, 1500 balles, ça c'est cool. 22608, j'espère que ça va pas faire 22, 21, 20, 19, 18 et ainsi de suite. Alors, on va voir. Ok, 178. Alors 21363. Donc les free spin, on dirait que c'est pas encore l'heure. Demander s'ils vont se manifester un jour. Alors là ça sent du big. 2003. Allez, 22548. Côté balance, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça serait bien de faire qu'une montante, mais avec ce genre de jeu, c'est pas gagné. Alors le Halloween, quand est-ce qu'il va nous pendre les free games? Alors, 2250, on remonte à 22263. Pour le moment, c'est totale absence des free spins.
pas évident à monter, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ainsi de suite. Alors, de temps en temps, ça lâche un big win par-ci par-là, mais par la suite, ça rebouffe le bénéf du big win. Alors, voyons voir ici. Hop, pas grand-chose. Ah, feature triggered. Ok, j'avais même pas capté. J'avais les yeux fixés sur le win. Alors, espérons que ça rack. Allez, faudrait qu'il y ait du win d'entrée, histoire qu'on ait du respin. Enfin, des symboles statiques, je veux dire. Il nous faudrait les mêmes symboles. Un petit symbole en plus, rouleau 1. Ce qui est intéressant sur ce jeu pour les free spins, c'est qu'on a les symboles statiques, mais encore faut-il avoir des symboles payants d'entrée en tout début de free spin. Et là du coup chaque spin suivant ça envoie du gros win. Alors 2000 balles ici. Allez, next, dernière. Allez, re-big win, 2435. Alors quand même, bénéf par rapport à la balance de départ, j'avais commencé à 20 800 et quelques, 24 903, c'est quand même une jolie performance, 5 500 de gagner sur les free games. Bon bah celle-là quand même, il a fallu aller les chercher, hein. Il a fallu jouer pendant un sacré bout de temps avant qu'elle se manifeste. Alors voyons voir, tentative sur un autre jeu, on va y aller, mais bon après ça sera quand même une demande de retrait partiel, car on va quand même pas prendre le risque de tout cramer. Il vaut mieux quand même encaisser une partie de ce joli montant, car c'est quand même très très rare de gagner de jolis montants comme ça avec des jeux de machines à sous, donc autant en profiter. Alors du coup next machine, mais il va falloir quand même faire un petit peu gaffe. Allez next, retour sur la machine à sous Taberna de Los Muertos, donc les jeux précédents c'est quand même bien goupillé. La balance elle a gonflé un petit peu, donc on va tenter de faire la même ici. Alors, on va chauffer un peu la machine à sous. Alors d'entrée, mariage de joker. Alors le troisième, les free games d'entrée seraient cool. Alors 24, espérons ne pas faire 23, 22, 21, 29. Ce qui est bien sûr fort possible avec ce genre de jeu. Et là on part en mode ça rigole pas. Ah, 1025, joli. Alors 24 900 balles, balance de départ, 2461. Allez, un petit arrêt de rouleau. Ah, joli, joli, joli. Les free games à 62,50, donc espérons que ça rack. Alors déjà les mariages de joker, la lignée complète, hop. Line boost en plus, donc là ça sent le big win. Ok, bah ça fait plaisir, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé la partie, puis ça envoie du lourd d'entrée, et voilà, méga win. Bon bah après ça, il y aura encaissement d'une petite partie. On va pas abuser. Et ben voilà, méga win, 11 285, et là ça va balancer les free games. Ouf, soulagé, hein. Soulagé, car pas torché. Allez, go.
des free games. Win d'entrée 11297, donc plus les free games restantes, espérons que il y a encore au moins un ou deux big wins. Free games de restantes. Apparemment il a payé beaucoup d'entrées, mais les free games n'ont pas l'air très généreuses. Allez, des petits jokers aléatoires. Eh ben magnifique, 35. Là, franchement, je pouvais pas en espérer autant. Alors là, une boost, comment ça va raquer? 75, 130. Allez, dernière free game. Allez, un petit lot à 25 balles pour la dernière. Non mais franchement là c'est magnifique, là je pouvais pas en espérer autant, 12,065 de win. Là ça me laisse quand même scotché de chez scotché. Bon bah là quand même je pense que d'encaisser 30 000, enfin faire une demande de retrait c'est pas mal, éventuellement garder 6163 pour continuer ces jeux. Ouais, je pense que ce serait la meilleure option car continuer avec une balance comme ça c'est toujours le risque. De tout se faire cramer petit à petit, donc il est peut-être préférable d'éviter ce risque. Bon ben merci quand même le Taberna de los Muertos, super belle partie, super belle en générosité. Bon, c'est même très rare, je préfère quand même préciser, ce que je précise dans beaucoup de mes vidéos, c'est que ce genre de jeu est totalement aléatoire, on ne peut pas tout le temps gagner, donc c'est pas parce qu'on regarde une partie gagnante que forcément si on joue à cette machination on va gagner, car à savoir quand même que sur une très grande masse de joueurs, la plupart finissent perdants et enfin, il y a plus de perdants que de gagnants. Bon ben sur ce les amis, fin de partie sur ces magnifiques wins, 12,065, donc rendez-vous très prochainement pour tenter d'autres jeux. Espérant pouvoir être aussi chanceux, mais ça, ce sera pas gagné, ce sera pile ou face. Allez la bise à tous, à très bientôt.